Merci. C'est parti pour une nouvelle semaine avec une belle séquence ce lundi matin. On va aller à la rencontre d'un nouveau partenaire de Paris 2024. Partenaire qui va nous permettre d'atteindre un objectif très très ambitieux pour ces Jeux. Réduire de moitié les émissions carbone. Un moment important pour Paris 2024 parce que c'est grâce à nos partenaires qu'on peut organiser ces Jeux qui vont faire date. J'ai hâte d'aller les rencontrer, j'ai hâte d'aller échanger avec eux et de faire un point sur notre partenariat. Bonjour Tony. Bonjour. Bienvenue. Comment ça va? Merci, je suis ravi d'être là. C'est un vrai plaisir de vous accueillir au siège d'Air Liquide. Merci pour le soutien. Et en plus, vous êtes venu ce matin avec une voiture à hydrogène. Ouais. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Vous l'avez testé ce matin. Et c'est de l'hydrogène d'origine renouvelable. Tout à fait, ça c'est important pour que le bilan carbone soit le plus faible possible sur l'ensemble de la chaîne. Alors Tony, maintenant j'aimerais vous montrer quelque chose. On va prendre un petit peu de hauteur et vous allez me suivre. Avec plaisir. Je suis ravi d'être ici au siège d'Air Liquide. Je crois qu'ensemble on partage cette ambition de jeu durable avec une réduction de moitié des émissions carbone. Bravo à Air Liquide et merci pour ce partenariat, on est vraiment super fiers. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise. Ah. La petite surprise, c'est le pins officiel de Paris 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir d'associer le nom d'Air Liquide aux Jeux Olympiques et Paralympiques. On était déjà là, groupe Air Liquide, en 1924, mais aujourd'hui, ça prend pour la première fois dans notre histoire une dimension qui est tout à fait particulière en étant supporter pour l'hydrogène et l'hydrogène renouvelable pour faire des Jeux décarbonés et contribuer. Et donc moi aussi, j'ai un cadeau, Tony. Un petit cadeau un peu particulier qui est tout à fait pertinent. C'est de l'eau. C'est de l'eau de pile, en fait, et donc pour bien marquer que la mobilité hydrogène, c'est une mobilité propre qui permet d'éliminer le CO2, exactement, mais de l'eau et de l'eau pure. Le challenge collectif est au cœur de ce qui nous anime. On a décidé de lancer un défi mondial pour l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs du groupe Air Liquide pour que eux aussi puissent montrer leur esprit de champion partout dans le monde. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller en rencontrer quelques-uns qui sont là, ils sont prêts, ils sont déjà dans les starting blocks. Avec plaisir. En route.